Eh bien les amis, salut à tous, c'est Cyril, on est en live sur NVIDIA France en même temps que cette vidéo. Je vais vous proposer la finale de cette magnifique draft. On va en parler juste avant de mon parcours, comme vous pouvez le voir, très simple. Regardez le talent, hein, 6 buts marqués, 0 encaissé. Non, bon, les deux premiers matchs, on n'en parlera pas. Par contre, la demi-finale qui fut très intéressante, victoire 4 à 0. Et concernant l'équipe que j'ai, elle envoie du très 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 lourd. C'est une team full boost avec deux totis. Bon, ça reste une BBVA classique, je suis d'accord avec vous. Mais bon. C'est une finale, c'est une team full boost, deux totis, une très bonne équipe. Au cage, Iker Casillas, 86, des latéraux classiques. À noter, très très bon, très très bon. Hein, franchement, Moreno, il envoie du lourd. Dans l'axe, c'est Piqué, mais on engage par à droite, nous avons Demarcos. En MOC, on va dire Modric. À gauche, Pardo. À droite, Gomez. Et devant, un très bon trio d'attaquants. Messi, Totti, Neymar, 92 et Aduriz. Voilà, donc là, les amis, pendant que je vous fais cette vidéo, si elle est postée, bien sûr. Je suis en live sur Twitch NVIDIA France. Vous pouvez me retrouver tous les jours du lundi au vendredi, 13h, 15h. Voilà. Donc dans le chat, ça part en couille. Coucou YouTube. Voilà. Donc on part pour la finale, les amis, en espérant remporter ce match qui m'a l'air aller fort sympathique. On a une très belle équipe. Après, bon, les changements sont très importants. J'ai fait pas mal rentrer Gundogan et Lacazette. Parce que Pardo et Aduriz, techniquement, c'est dégueulasse. Allez, on part pour la finale, les amis. Il fout du sale encore une fois. Bah normal frère, normal, Messi c'est une machine. Donc on part pour la finale, on tombe contre... Ah oh ouais, oh putain ouais. Très belle mix bah, Bayern Munich BBVA quoi. Putain, Neymar... oh là là, je vais me faire pisser dessus par Neuer 92. Bref, très belle équipe des Motem, il y a Inaki Williams en pointe. Je pense que ça va être un beau petit match. Allez c'est parti. Bon, vous êtes chaud les amis pour le match? Est-ce que vous êtes chaud pour le match? Dites-moi, parce que là ça risque d'être chaud. Hein. Franchement... Faites votre pronostic dans le chat, les amis, pour ceux qui veulent. Ouais, pour le pronostic du match, quoi. Ça passe direct en retrait. En retrait. Non! Penalty. C'est bon, ça, les amis. Nickel. 51 degrés, le joueur. Ah, le joueur héros. Ok. Les amis. Ouh, putain, on commence bien le match. Carton rouge pour Nacho, latéral gauche. On est bien, là. Faire rentrer Lacazette direct. Et Gundogan, on verra. Allez, penalty. Messi. Ouais, Messi ou pas? Non, Modric, Modric, Modric. Allez, allez, Modric. Je compte sur toi, mon pote. Quel côté? Ah, je stresse pour le côté. Allez, petite ligne droite ou pas? Oui, voilà, les amis, on met 1-0 dans cette finale. À 10 contre 11, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Même quand ils se pissent dessus, mes joueurs, ils se pissent aussi dessus. Du coup, bah, tout le monde se pisse dessus. Eh, ça lag là! Et golasso de 0, mon pote! Tu veux faire laguer le match? Je m'en fous, je mène 2 à 0. Voilà, les serveurs sont en PLS, ouais, je crois bien, ouais. Putain, c'est dingue ça, un mec qui fait exprès de faire laguer le jeu, moi je m'en fous. Perso, Neymar il prend le ballon, il frappe, et puis. But, 2-0. Bon, les amis, c'est la mi-temps. On mène 2 à 0, comme vous pouvez le voir, on domine pas mal le match. L'adversaire qui était un petit peu dangereux juste après l'ouverture du score, j'ai pas réussi à garder le ballon. Après, on a relancé la machine, on mène 2 à 0. On est plutôt pas mal dans cette finale. 3 tirs cadrés à 1, 2-0, la possession c'est quasi du 50-50, un peu plus d'occasion. Bon, on est plutôt bien parti, mais faut choper le cadre, parce que putain, Pardo et Aduriz ont tous les pieds carrés. Changement, on a Lacazette qui rentre à la place d'Aduriz et Gundogan qui va rentrer à la place de Pardo. Et le reste c'est parfait, on va décaler Modric, non, Modric dans l'axe. On va attaquer à droite, non, on va faire comme ça alors. Voilà, Gomez, nickel. Allez, c'est parti pour la seconde période de la finale de draft. Mais oui, mon pote. Wouah, c'est Inaki Williams. Depuis quand il est physique? Ah, c'est la fin. Ça sent le 2-1 pour lui. Ah, bien sûr. Putain! Attention, pas qu'il remonte l'adversaire. Ah là là là, c'est une draft. Ouais, non, en finale de draft. Bullshit. Bullshit sa mère. Son pseudo, c'est Bullshit sa mère. Dommage. Putain, fais chier. D'accord. J'aime bien, je fais des dribbles. Oh, les comptes favorables. Là, c'est la fin. Tu la sens à la fin ou pas? Oh putain, on a chaud! Ouf! Ouf, on a chaud! Bon, je pense que c'est moi qui mets un poteau. C'est bizarre, j'ai pas encore mis de poteau, hein. Nickel. Tac, mets-lui, voilà. Tac, bien joué, Gundogan, le crochet, allez! On roule! Oui! Oui! Bien joué, Gundogan! Voilà, les amis. Je pense que le score, il est scellé, comme on dit. 3 buts 1, 85e. On aurait pu marquer avant quand même, hein. Je prends des fois des risques bébêtes, hein, c'est le cas de le dire. Mais là, Gundogan a fait un bon petit festival.
Le dribble, crochet. Juste avant, il était là au départ de l'action. Bien joué, Gonogon. Bon, bah, les amis, on remporte cette finale. Match très intéressant. 4 matchs, un but encaissé. C'est plutôt pas mal avec, je crois, 9 buts marqués. C'est pas mal. Bon, après, un match qui a très bien débuté pour nous. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Hein. Le penalty à la première minute de jeu, plus le carton rouge. T'es d'accord avec moi? Ça coûte très cher. GG pour le match. Mais merci à toi en tout cas. Donc, c'est un abonné aussi, Riyad, qui jouait dans le, qui est dans le chat aussi. En fait. Il joue sur PC aussi, qui était un abonné. Et a très bien joué. Un beau match. Bon, on a quand même dominé le match. Je pense que ça reste logique quand on le remporte. 3 buts à 1. C'est plutôt pas mal. GG. Ouais, merci à tous les frérots. Ça fait plaisir. Donc, 1, 2, 6. Ouais, 9 buts marqués. Un seul encaissé en draft. C'est pas mal. Va-t-on avoir du lourd ou de la merde? Ouh, de la merde. Youpi! Putain, c'est quoi ces packs? Des packs à 15K? Non, même pas. C'est des packs à 7500 là, non? Attends. Rien que des joueurs. Ah non, c'est des packs à 25K. Ok, bon. On va dire c'est convenable. On va dire c'est convenable. En tout cas, c'était un bon match. C'était propre. Alors, Ignacevic prend mes packs. Ok, magnifique. Magnifique, hein? Putain, c'est dingue des packs en mousse. Pourquoi genre des packs de merde comme ça? Il gagne des drafts, des vieux packs dégueulasses. Jacob, magnifique. Ouh, bah dis donc, les packs qui remboursent la draft. Hein. Merci pour le follow, Nitrox. Bon, les amis, on est parti pour deux packs. Intéressant, il n'y a que des joueurs. Tous en or, mais à 3 rares. Donc, on pourrait, pourquoi pas, packer du lourd. Ah, Vitolo. D'accord, cherche, c'est en train de chercher un milieu gauche espagnol. Pensez à Pedro, je pense qu'il est Eligos. Funchal. Funes Mori. Vas-y, Funes Mori, c'est aussi un défenseur de BPL, là, Everton. Tereo, qui est pas mal, j'avais testé, je viens d'élever, Krangvist, Vitolo, ok, de la merde, on discarde. Allez, dernier pack, les amis. Putain, s'il vous plaît, on croise les doigts, croisons les doigts, croisons les doigts. On croise. Doumbia. Putain, Didier Drogba en finale de... Oh, le boost! Voilà, les amis. C'est plaisir, pour une fois qu'on tape enfin, putain de genre boost. Bon, quand tu vas Drogba... Voilà, bon, il coûte pas très cher, hein, regardez. Un petit. Ouais, tu peux le vendre 12K peut-être. Bon, si on peut, c'est pas très cher. Mais bon, un petit inform, les amis, un petit boost en finale de draft, ça fait plaisir. Hein, je demandais pas mieux le boost. Voilà, nickel. Ben, merci à tous, amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu si c'est possible, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur Nvidia France tous les jours, les amis. Vacances ou pas, lundi. Au vendredi de 13h à 15h sur Nvidia France, sur Twitch, Nvidia France, vous avez bien sûr le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.